Quaddle, comme si ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un truc comme ça. Quaddle, Bienvenue sur la chaîne de la salle. Bienvenue sur la chaîne de la salle. Ici la salle. Autodestruction dans 5, 4, 3, 2, 1. Nous sommes et nous sommes en vidéo, les gars. Salut Mickey, alors comment ça va? Ouais, ça va tranquille. Ça va, merci, et toi, ça va bien. Comment vas-tu Mickey? Ça va, et toi, ça va, Mickey? Ouais, ça va. Wouah, comment Siron elle pousse! Siron, je t'ai vu, hein! Wouah, Siron, on t'a vu, hein! Wouah, c'est abusé! Eh! Elle fait pas semblant, elle! Eh, pas de pitié, y a hein! Personne dans le tube, les gars, c'est quoi ça? Mais je t'assure, les gars, pas de pitié! C'est abusé! Elle a foncé normal! Genre, elle a voulu m'envoyer dans le décor! Ah ouais! Vas-y, je la retiens, je te retiens, Siron. J'ai pas la map, c'est magnifique. Eh, attends. Okay, non, ma mère! Je suis tombé. Mais qu'est-ce qu'elle avait d'ailleurs dédicace à la mère de Yvin. Il lui a fait une dédicace. Ouh. Ah là 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 là. C'est quoi ça? Eh voilà, et bah y'a qui devant moi la salle, Cocotte? Et Cocotte, est-ce qu'elle fait Cocotte? Bah elle bloque. Que c'est pas... Hello Mickey. Hello. Wow. How are you? Hello. Ah ouais, j'ai ralenti, hey, je me suis fait peur dans les lignes. Salut Mickey, ça va? Ouais, ça va, et toi? Ah ouais, mais attends, je viens de remarquer un truc, on n'a pas la map en fait. Mais ouais, j'ai pas la map. Dieu, moi je l'ai réactivé les gars, je vous ai rien dit, je suis actif. Ah ouais, moi je l'ai pas. Hein. Eh bah les gars, il faut bien arriver premier un jour dans une vidéo à la salle. Hein. Ah ouais, mais t'es combien là? 7ème, 6ème. Ah ouais. Eh hey, Mickey, attends, mais Mickey l'a déjà fait, on m'a dit. Attends, Mickey, c'est jamais. Non. Mickey l'a déjà fait tout Social Club. Eh hey, ma voiture, ah, elle a même pas du ça. Est-ce que tu peux nous confirmer qu'on t'appellerait Anto? Le Anto 2017, c'est le futur Anto 2017. Non, moi la vraie question que je me pose, c'est qui teste le plus entre Mickey et Unwin? Unwin, ouais. Non. Franchement, alors, d'après certaines statistiques démocratiques de statistiques ici, ça serait Unwin. Après, il y a test volontaire et test involontaire. Voilà, c'est ça. Et il y a aussi le test acteur et non acteur aussi. Le test involontaire, voilà, franchement, le test involontaire, c'est s'amuser à faire des courses parce qu'on a envie de jouer tout simplement, ce qui est tout à fait normal. Hein. Ça. Et le test volontaire, c'est Unwin du style. Je fais que ce que je vais faire en vidéo, quoi. Hein. Voilà. Et je sais exactement où faut passer, pas à droite et plutôt à gauche. Allez, bagarre. Bizarrement, moi et la salle, nous sommes trompés. Sauf. Les gars, non, les gars, c'est le karma. Hello! Et t'as vu du karma. À un moment donné, bam, tu te dis non, à la droite j'aime pas trop, je passe à gauche, tout simplement. C'est ça. C'est le karma, les gars. Wow, attention, y en a un qui est pas parti. C'est karma comme karma dans League of Legends. Oh. Eh ouais. Eh ouais, Eden. Toi, tu penses que. J'ai plus le temps de tester. Il est où, Bob Lépon? Tu n'as pas entendu, Bob Lépon? Sur... Wow. Eh, moi aussi, je suis monté. Là, je me suis mangé la cravate de Bob Lépon. Il est là, Bob Lépon. Mais il est où le point, les gars? Il est devant le tuyau. Ah ouais, bah je suis monté. Ok. Eh, je suis dedans, les gars. Ça vous a pas fait ça, vous? De quoi? Ça m'a fait monter à l'étage. J'ai posé que deux roues sur l'étage. Je peux encore. Ouais. Oh, Bob l'éponge.
Parce qu'en fait, on arrive à fond. Ouais, on arrive dans la cravate de Bob l'Éponge. Eh, non, mais attends. J'ai tapé sa cravate. Je viens de penser à un truc. Je l'ai pas vu, moi, Bob l'Éponge, vous l'avez vu? Bah oui, c'est quand t'es atterri en haut, là. Au début, tu le vois. Mais même, il est là, les gars, Bob l'Éponge. Moi, j'ai même vu en dessous ce qu'il porte, hein. J'ai vu qu'il portait un slip. Je veux pas dire, mais... J'ai vu, en tout cas. Alors, attends, je vais essayer de le voir, parce que moi, je dois t'avouer que... Bah, je l'ai pas vu, quoi, tout simplement, donc j'aimerais le voir. Mais je me suis toujours posé une question à ça quand j'étais petit, c'est Bob l'Éponge, pourquoi il meurt pas? Parce que, tu sais, c'est une éponge. Bah, oula, justement... Et une éponge, la salle. Mon fil, il s'en met. C'est rempli d'eau. Mais justement, donc, parce que c'est une éponge. Ouais, mais est-ce qu'il se noie un jour? Tu vois? Bah, ça va être compliqué pour le faire se noyer, mais... Non, l'éponge, ça se noie pas, hein. Justement, ça prend l'eau, mais... Ah, ça dépend, Eden, hein. Ah, j'ai mon fil qui s'en... Mais non! Quoi? Ça fait quoi? Mais non, parce que j'ai rebranché ma manette, comme j'avais plus de... Comme d'hab, quoi. Et là, j'ai mon fil qui s'en mêle, et ça me dérange. Ah! Moi, je me rappelle, à l'époque, la PlayStation 2, tu sais, j'enroulais ma manette comme ça autour du fil. Ouais. Après, t'avais un fil tout tordu comme ça, comment c'était chiant. En tire-bouchon. Ouais, c'était chiant. Du coup, j'avais pas de technique. C'est que là, je suis en train de rattraper la salle, et ça, c'est bien. Ah oui, il y en a, ils poussent, ils s'en foutent complet. Hein. Là, je suis avec Cocotte, je peux la pousser, les gars. Mickey, des fois, en vidéo, j'ose pas le dire, Mickey. Mais est-ce que c'est vrai que je te pousse à abuser quand à fond. Mais quand je te vois, moi, je suis en panique, hein. Je regarde derrière, je fais des gauches, droites... C'est pas un vieux que je vois Mickey, je le dégomme. Faut pas hésiter à le pousser aussi, hein, Mickey, faut se défendre. Hein. Ah oui, mais je me laisse plus faire, maintenant. Ah bon, Stucci. Eh, la dernière fois, tu sais, la course on poussait, Mickey, il m'a des gommes, waouh. Ah ouais. J'ai dit, donne pas de cadeau. Ah, il m'a vu, il s'est dit, attends, c'est pas lui qui me pousse à chaque fois, là. Non, mais attends. Vous, il m'a des gommes. C'est ça. Je suis Cocotte. Tu veux me dire que Cocotte, elle m'avait doublé, ou alors? Je crois qu'elle a... On a tous un tour d'avance. Cocotte, elle est où? Cocotte, elle est où? Elle est là, attends. Elle peut pas m'avoir doublé quand même. Si? What is this? Ah ouais, il s'est passé des trucs bizarres, hein. Anuine. Anuine, vas-y, chante voir Bob l'Éponge. Chante Bob l'Éponge, Anuine. Fais-nous plaisir. Vas-y, ouais, chante. Allez. Attends, bah attendez, parce que... Alors, j'ai vu dans les commentaires de ta dernière vidéo, la Saturne, où on devait répéter ta musique, là, tu vois. Mm-hmm. J'ai vu Anuine, franchement, tu devrais te lancer dans le chant. Oh ouais. Qui a dit donc, ça? Moi, ce que je propose, pour prouver encore une fois que je vais me lancer dans le chant, c'est que je vous chante tout simplement la musique de Bob l'Éponge, qui est une musique... C'est quoi? Tu m'as rattrapé la salle. T'es où? Ah non, t'es interprété par Bob l'Éponge et créé par Bob l'Éponge. Eh Eden, comment tu peux te taire, s'il te plaît, Eden? Attends, parce que la salle, il dépasse. Attends, il est là, Bob l'Éponge, et tu vas aller dans la cravate. Ah oui, oui. Oh. Ah non, ouais, à un moment donné, les gars, on passe au-dessus. Vas-y, Anuine. Ok, je chante. Alors. C'est quoi cette préparation? As. Attends, je suis. Les gars, j'ai besoin de me concentrer. Si j'ai pas. Je me concentre pas, il y aura pas trop mal. Alors. Si c'est bon, je me retourne. Ok. Prêt, les enfants? Oui, capitaine! J'ai pas entendu! Oui, capitaine! Oh, qui met dans un assaut dans la mer, Bob l'Éponge carré, qui bombe une carrière, Bob l'Éponge carré. Si vous avez un souhait, qui faut-il appeler? Bob l'Éponge carré, qui n'a pas peur des gros méchants poissons? Bob l'Éponge carré, Bob l'Éponge carré, Bob l'Éponge carré, Bob l'Éponge carré. Alors, par contre, moi, pour ma part, je sais pas si c'est la version allemande que t'as chantée ou si c'était la version française. Alors, attends, il y a juste eu un petit problème à un moment donné. Je crois que tu t'es emmêlé dans les paroles. Donc, si tu pouvais nous la refaire, mais sans t'emmêler dans les paroles. Attends, parce qu'en fait, le début, c'est nul. Tu vois, le début, il dit « Capitaine, voilà. Moi, j'ai pas Donc, on va commencer par là. Qui vit dans un ananas dans la mer, Bob l'Éponge carré. Qui compte bien y faire carrière, Bob l'Éponge carré. Si vous avez un souhait, que faut-il appeler? Bob l'Éponge carré.
Qui n'a pas peur des gros méchants poissons? Est-ce que essayez tu peux de ne pas être mal à l'aise? Mais tout à l'heure, tu l'as mieux chanté tout à l'heure, hein, par contre. Ouais, mais c'est qu'en fait, là, t'étais pas dans le rythme, on a senti que tu voulais faire une autre musique. Qui vit dans un dans la mer, Bob l'éponge carré. Qui compte bien y faire carrière, Bob l'éponge carré. Si vous avancez, qu'en faut-il appeler, Bob l'éponge carré. Qui n'a pas peur des gros méchants poissons, Bob l'éponge carré. Bob l'éponge carré, Bob l'éponge carré. Oh, ben wow. Hey, j'ai l'impression que malgré que t'es une voix... malgré ta voix aiguë, t'as du mal à aller dans les aigus, non? Ah, ben grave. Mais c'est bon d'être dans les aigus, ouais. Non, en fait, j'ai mal à la voix, parce que je suis malade. Bob l'éponge, oh baby. Après, je peux vous la refaire en sensuel, si vous avez envie. Vas-y. Qui vit dans un ananas dans la mer, Bob l'éponge carré, bébé. Ouais, vas-y, chante encore. Ouais. Oh. Il est là, Bob l'éponge. Ah ouais. Qui est Bob l'éponge, vas-y, je suis derrière toi, la salle. Si vous avez qui faut-il appeler, Bob l'éponge carré, yeah. Qui n'a pas peur des gros méchants poissons, Bob l'éponge carré. Oh, tu, est-ce que tu peux la faire en rappant? Attends. En rappant. Attends, ça c'était sensuel. Ouais, c'était sexy un peu. Je sais que là les filles elles ont craqué. Je sais que vous avez craqué. S'il y a des filles, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez craqué. On aurait surtout dit un pervers, ouais. Ouais. Genre, il raconte une histoire comme ça. Sexy, hein. Yeah. Oh, I sing, I chant. Il attend la sortie des écoles et qui chante Bob l'éponge. Il a un peu la voix au chanteur, là. Oh, regarde, écoute, là, ça, tu me dis, tu comprends ce que je veux dire. Rick David. Yeah, I chanting, oh Bob l'éponge, bébé, vas-y, viens chanter avec moi sous la pluie. Oh, tu me dis, c'est tellement dégueulasse que je fais n'importe quoi. Vas-y, oh, vas-y. Est-ce que tu veux une autre version? Continue à chanter, Nune. Une autre version de sexy. En rappant, vas-y. Non, en rappant, j'aime pas. Bah, allez. Bah, allez. En faisant du Daft Punk. En rappant, vas-y, je vais tester en rappant. Allez. Attendez. Wow. Allez, this shit. Eh, je suis passé. Mon... Bah, qu'est-ce qui s'est. Oh my god, mon Lastal, tu vas me rattraper. Mais pourquoi? Je suis passé sur la route d'à côté et je crois que c'est toi qui passe. Ah non, c'est bon, t'es pas encore là. Oh la chance! Je suis passé, t'es à un moment, il y a des boosts comme ça sur le dos. Oui. Je suis passé sur la route. C'est trop bizarre. Ah, tout à l'heure, ça m'a fait partir en vrille, ce passage-là. Deuxième boost, il m'a fait tourner. Mais... Ouais, mais il m'a emmené sur la route, bah, qui est en haut. Alors, tu vois. Donc, vas-y. Donc, alors. Ouais. Laissez rentrer une. Qui vit dans un ananas dans la mer, Bob l'éponge carré. Qui compte bien y faire carrière. Ouais, Bob l'éponge carré. Si vous avez. Bob l'éponge carré. Qui n'a pas peur des gros méchants poissons. Si, Bob l'éponge carré. Bob l'éponge carré. Bob l'éponge carré. Ah. Tu rappes en ananas. Je vois qu'il est humilié là. Il a humilié quoi, le rap ou l'allemand? Ou les deux? Les deux. On fait pas de préférence, les deux. Est-ce que, Mickey, t'aurais une petite rap, vous lui chantez comment? Sexy, j'ai déjà fait. En version, tu sais, opéra. Oh ouais, ça j'aime. Tu vois, quand tu fais des trucs comme ça. Il a réussi à... Hey, comment t'as fait ça? Il a réussi à monter ça après la redescente. C'est bizarre, la salle, tu es en train de muer. Vas-y, vois. Vas-y, fais. Qui vit dans un ananas dans la mer? Non, ça c'est quelqu'un d'autre, ça. Ouais, t'es pas carré. Ou qui compte bien faire carrière. T'es pas. Ouais, mais je sais pas.
En fait, quand j'essaie de faire le ah, tu vois le quel truc, tu vois, je peux pas. Ma voix elle mute direct, c'est impossible. Il y a, écoute la salle, tu vois, je peux pas. Ça bloque. Ne me dis pas que t'es en train de muer. Si ça me parle, écoute, tu vois, je peux pas. Tu vas me dire que ta voix aiguë est en train de disparaître. Non, elle disparaît pas, mais... moi, personnellement, là, ça, si sa voix, elle disparaît, moi, je dirais que c'est plus Anuin, hein. Bah c'est oui. C'est un fake d'Anuin, non, hein, c'est pas possible. Non, regarde. Imagine. Moi, je sais pas, là, ça, personnellement, tu vois, plus tard, je sais pas, peut-être dans 40 ans, 50 ans, Anuin avec une voix d'homme, mais d'homme, tu sais, vraiment, salut à tous. J'ai une question, voilà, je voilà, comment on dit ça déjà quand on veut, on en a marre, comment on dit? Bah, on en a marre. On en a marre. Non, pas on en a marre, genre, je fais pression, tu vois, je suis à bout, tu vois comment? Ah, t'es à bout. Tu satures. Voilà, je sature, parce que j'ai pas de barbe, voilà. T'as un berne. J'ai pas de voix qui mue, bon j'ai un gros zizi oui, mais j'ai pas de voix qui mue, mais tu sais, c'est bizarre en fait, c'est bizarre.